Si tu viens sur Facebook pour rire seulement, ou alors si tu viens sur Facebook pour le japap, mon frère, c'est malheureux. En vrai, aujourd'hui, je vais vous parler des opportunités. On y va. Est-ce que vous savez que beaucoup sont pauvres, beaucoup ne sont rien dans leur vie parce qu'ils ont raté les opportunités dans leur vie? Comment ça? Moi, je comprends rien. On a toujours tendance à voir certaines personnes qui ont raté, hein. Excusez-moi le mot raté. Ok. Bon, on va certainement dire, on ne rate pas sa vie. Mais mon ami, on rate sa vie. Comment ça? Vous allez voir certains gars au quartier qui ont raté leur vie, se consoler en disant, quand on te voit passer avec ta grosse voiture, on dit, ah non, hey, ça c'est les sorciers. Hey, pardon, que de vivre le genre de vie là. Hey, mieux je mange moi mon macabo, mieux je bois mon tapioca chaque jour comme ça, je dors moi sur moi tranquille, j'ai la paix. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Tu as quelle paix? Point d'interro, garçon. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas. Tout le monde aspire au bonheur. En vrai? Ah oui. Le bozao, porte-monnaie magique, multiplication d'argent, voyager, aller en bengo, chercher les blancs, c'est parce qu'on cherche le bonheur. Ça, c'est clair. Tout le monde! Les hommes politiques qui bagarrent, le pouvoir, c'est le bonheur. Ah bon? Mais oui, c'est clair. Tout le monde sur cette terre-ci aspire au bonheur. Maintenant, ne rate pas tes chances. Et demain, tu commences à te plaindre, tu dis que Dieu t'a abandonné. Toi qui m'écoutes, à travers ce message et à partir d'aujourd'hui, change ta manière de vivre, change ta façon de faire. C'est-à-dire, vous connaissez ce qu'on appelle les opportunités? Jamais de la vie. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle les opportunités. Je vais vous expliquer une histoire. Je ne vais pas parler du nom de ces riches-là. Je vous conte une petite histoire pour que vous compreniez ce qu'on appelle les opportunités. Un riche se rend un jour sur un plateau de télévision. Face à une journaliste, la journaliste lui demande que dites-nous un peu, vous êtes l'un des plus riches au monde. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour avoir autant d'argent? Est-ce que vous nous expliquez que c'est ce tel X ou Y qu'on vend, tel business que vous faites, qui vous font devenir l'homme le plus riche au monde? Le monsieur regarde la journaliste, il secoue la tête. Il ouvre sa mallette, il va dans sa mallette, il enlève un chéquier avec un stylo. Il pose devant la dame avec le stylo. Il dit à la dame, madame, écrivez la somme que vous rêvez avoir dans votre vie. Sur ces chéquiers. Allah, on a souffert. La dame sort les yeux comme ça et elle dit, hey, le type, s'il veut m'apporter le wish ou quoi. Il dit, madame, écrivez. Il compte de 1 jusqu'à 5. La femme est toujours en train de réfléchir. Il récupère le chéquier, il récupère son stylo, il remet dans le sac. Il dit, madame, voilà une opportunité que vous avez eue dans votre vie d'être riche. D'être les plus riches, c'est vrai, vous travaillez déjà, vous avez un emploi stable, mais vous n'êtes pas riche. Je vous ai demandé d'écrire la somme que vous voulez avoir dans votre vie sur le chéquier. Je devais juste signer, ça devait vous permettre d'être aussi riche comme moi. C'est pas vrai. La dame, non, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est ce que je ne... Pardon, donnez encore, je dis que c'est trop tard. Vous aimez voir avec les yeux. C'est tard. J'ai déjà gardé, c'est tard. Voilà comment je fais pour devenir riche. Je saisis mes opportunités. Tu n'as qu'à pleurer, on s'en pisse, on s'en tape. Donc, dans la vie, les amis, apprenez à saisir les opportunités. Je vois en commentaire, certains viennent bavarder que Facebook, Franco est orgueilleux. Franco parle mal parce que je viens blaguer avec vous en commentaire. Si vous voulez connaître qui est Franco, rencontrez Franco en face pour savoir qui est cet homme. C'est vrai. On ne reconnaît pas un vrai homme sur Facebook. Au moins à la rigueur, sur les commentaires. Ah bon? Ça, c'est clair. Ce qui vous tue, je parle de vous. L'orgueil ne profite jamais en rien. Je suis Franco le mignon aujourd'hui. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je serai ce que je serai parce que je me rabaisse. Parce que je me couche. Parce que même ceux-là qui sont inférieurs à moi, quand je sens qu'ici, j'ai un pouce à gagner, je me couche. Vous comprenez? Hein? Je prends ce pouce-là. Et je monte de gloire en gloire, de succès en succès.
Les gens attendent ma chute pendant que je suis tellement en train de monter. C'est ce que toi-même tu dois faire. Arrête de dire que tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas mon Seigneur, je m'en fous de toi. Tu t'en fous que tu es quoi, que tu es qui? J'ai dit que, mais mon frère, hey. Le temps passe. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que Dieu a créé les années, chaque année à son nom, les mois, chaque mois à son nom, les semaines, chaque jour de la semaine à son nom. Vous pensez toujours que chaque jour est dimanche. Et vous pensez que quand vous ratez votre opportunité, le dimanche quand vous êtes à l'église, vous pensez que le lundi, vous allez encore avoir l'opportunité que vous avez eue hier dimanche. Non. Gars, saisis l'opportunité, l'occasion quand ça se présente. Parce que quand tu rates cette occasion, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Et vous avez toujours tendance à dire que tout ce que Dieu fait dans la vie est bon. Même si j'ai échoué, même si j'ai raté, non, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu n'avait rien décidé, mon ami. Dieu t'avait créé pour que tu deviennes riche, pour que tu deviennes bien, pour que tu réussisses. Il n'y a pas enfant de Dieu plus que l'autre. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous tous. C'est vrai. Il n'y a personne qui est sorti par la bouche. Nous tous, nous sortons par le bas de nos mamans. Arrêtez de dire que, de te consoler parce que tu as échoué. Tu passes partout dans la rue. Non, je préfère moi ma vie. Hey, ouais. Les franco, le mignon comme ça, c'est les gens qui dorment avec le serpent. On dort avec le serpent. Vous allez attendre que nous on meure. Des années, on est là. On vit, on continue à vivre avec nos serpents. Tous les riches que vous attendez, leur mort, là, ils sont toujours en vie. Je te dis que... Ils vivent. Vous restez toujours là, vous les attendez. Parce que vous ne voulez pas comprendre la vie. La vie, c'est les opportunités. Apprenez à saisir les opportunités quand elles se présentent. Chaque jour n'est pas dimanche. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui. Si tu as la chance dans ta vie, ma chérie, si tu as la chance dans ta vie, gars, si tu as la chance dans ta vie que quelqu'un vient pour te donner un plus, pour t'accompagner, pour t'aider à réussir, ne l'insulte pas. Ne lui dis pas que tu n'es pas mon Dieu. Ne le repousse pas parce que tu penses que demain tu auras encore. Tu ne sais pas. C'est une opportunité que Dieu t'a envoyée, que Dieu t'a donnée comme ça. De devenir quelqu'un de bien, mais à cause de ta bouche, de ton orgueil, tu as laissé cette opportunité partir parce que tu penses que demain tu auras encore l'autre opportunité, alors que c'était juste une seule occasion que Dieu t'a donnée dans ta vie d'être milliardaire, millionnaire et toi que ce soit. Tu as refusé à cause de ton orgueil. Demain tu te retrouves dans la misère totale, tu te plains, tu es jaloux des autres qui ont réussi, tu dis Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est toi-même qui t'abandonnes. C'est ça. Dieu t'a tout donné. Tu as dit, fiche-moi le camp. Vous aimez voir avec les yeux. Nous, on a compris la nature. Oui. Nous, on a compris la nature. Et un homme qui n'a pas compris la nature est un échec total. Hein? Tu vas tout faire dans ta vie, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Tu vas te poser la question, mais pourquoi X? Il fait un petit truc, il réussit. Ton cœur. Qu'est-ce que tu as d'abord dans le cœur? Quel est l'esprit que tu as envers les autres? Fais du bien aux autres. Quand tu aspires le bien, fais le bien. Quand tu aspires que quelqu'un te tend la main, celui qui te tend aussi la main ici, donne-lui. Oui, tu ne peux pas espérer, tu peux pas chercher à avoir beaucoup, à demander beaucoup à Dieu, alors que tu es incapable de donner aux autres. Là, il a. Écoute, très bien. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Donne et tu recevras. Donne beaucoup, tu recevras beaucoup. Hein? Partage l'information. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi parce qu'il y aura des conseils et des conseils. Vous savez, il y a beaucoup qui ont raté l'éducation des parents. Des Mouna Bobo, que le père n'avait jamais l'argent. Le père n'avait jamais le temps. Tout son temps, c'était pour chercher l'argent. Ils ont raté l'éducation. Nous sommes les Mouna foirés. Les villageois, on a grandi au village, les parents pauvres, foirés. Mais on a bénéficié de l'éducation de base. C'est ça qui manque à beaucoup. Et les gens, on porte même 50 millions, même 200 millions, on les donne là. Ils ne font pas un mois avec. Problème d'éducation. Donne-moi seulement 30 000. Tu vas voir ce que moi, je vais faire avec. Parce que j'ai bien reçu mon éducation de base. Et c'est une richesse à vie. Partage la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
qu'il s'agit? S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.